Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test cette fois encore. Nouvelle vidéo test et encore une fois sur Uncharted 3. Alors je sais, ça c'est un peu pas varié, c'est pas vraiment varié, c'est peut-être une forme un peu plus convenable pour dire ça, à un joli popage des textures, mais c'est normal, c'est du multi. Mais une vidéo test en multijoueur. Alors j'ai pas fait le pack, le second pack de cartes multijoueur. Mais, et je le ferai pas, je ne pense pas. Mais je vous fais cette fois-ci le nouveau mode de jeu, donc qui est en fait une arène. Enfin c'est des arènes en coopération d'ombre. Ombre, pourquoi ombre? Ombre, bah parce que c'est Umbrella. Je déconne, je ne m'autouffe pour av. Kill, foiré. Yalalalala. Yalla. Foiré, va crever en enfer. Donc, qui en fait, bah vous voyez, on bat contre des djinns. Ils ont pas mis en difficulté. On se bat contre des djinns. Des djinns, donc c'est des vilains esprits. Ouais, je vais pas en dire plus parce que je risque de spoiler des choses qui ne devraient pas être spoilées. C'est vrai que ça peut spoiler un peu le multijoueur quand même. Et là, un peu quoi. Donc on se bat contre des djinns, donc c'est des ennemis assez coriaces parce qu'en fait ils peuvent réagir. Tiens toi, tu vas piquer un kill tout à l'heure. Je te pourrais que je te le pique. Si je te le trouve, je te le pique. Ces ennemis très très difficiles à battre, notamment en difficulté difficile, voire extrême. Parce que en fait déjà on peut pas les attaquer au corps à corps. De plus, ils sont... En fait, c'est un peu comme s'ils avaient deux jauges de vie. C'est... Ça, c'est bien. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein, l'hiver, avec ce temps de merde. Le nouvel objectif est... L'homme des méchants est marqué. Oh, pardon. Alors, ouais. Donc, c'est des ennemis très difficiles à voir. On nous avait promis une difficulté très, très, très relevée. Ce que je peux noter, moi, c'est qu'elle est franchement pas spécialement très très relevée. On n'est pas non plus. Et en plus, ils peuvent se téléporter. Et ça, c'est le truc le plus chiant, serait sans doute. Oh non! Ah! Yeah! Ah! Là je parlais d'un des gros défauts, donc ça c'est pas que le mode, enfin c'est pas que ce nouveau mode là, c'est un peu tous les modes de jeu de Uncharted 3, enfin tous les modes de coopération en fait, c'est qu'on est, enfin c'est vraiment, voilà. Vous voyez tout à l'heure j'avais quand même bien amoché le mec parce que je lui ai quand même, enfin je l'avais bien amoché, on va dire que j'avais enlevé les un quart de sa vie. Et néanmoins, c'est pas moi qui l'ai tué, mais c'est quelqu'un d'autre. Alors, ça serait des ennemis à 120 dollars, comme c'est en coop normal. Voilà, ça peut passer encore. Mais quand on se retrouve face à des ennemis, toi, je le tue d'abord et ensuite je te. Foiré, bah. Ben voilà, c'est moi qui ai quasiment tué, c'est lui qui a mis à Darabal, et voilà, c'est moi qui l'ai eu dans le cul. Mais. Donc c'est pas vraiment équitable et ça peut foutre un peu les boules dans le sens où c'est des grosses sommes. Ça va être entre du 600 et du 400. La majorité ça va être 600 et 400. Enfin vous imaginez, vous dites que normalement vous auriez pu avoir 600 dollars et que quelqu'un vous a piqué votre thune, enfin vous l'avez volé carrément. Même pas piqué, c'est volé. Là je pense que vous avez énormément de boules. Là regardez, il va le piquer encore. Voilà. Je suis d'accord que c'est de la coop, mais ce serait peut-être un peu mieux une répartition plus égale des sommes. Je sauve.
Non, mais néanmoins, on va dans ce nouveau mode, on va avoir notamment des nouveaux modes de jeu. Alors, je suis désolé, mais j'ai plus de munitions, donc je vais laisser crever. Bon, des nouveaux modes de in-game, en fait, des nouvelles manches, voilà. Donc, c'est pas des nouvelles manches. Là, ils vont revenir. Ah ouais, merci client. C'est des nouvelles manches qu'on a déjà vues dans l'arène en coopération. Non. Qu'on voit en. Alors c'est pas l'air en coopération, je dis que de la merde. On voit en. Que l'on voit. Ah, j'ai du mal à parler, c'est du multijoueur. Hein. Que l'on voit dans le mode de, donc normal du jeu dans la compétition. Bingo. Et donc c'est l'homme marqué, donc en fait il va falloir. Ah, il n'y a plus de munitions. Cool. Néanmoins, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, hein, blablabla. Ouais, donc on a trouvé un. Enfin, on a gagné un nouveau mode de. Une nouvelle manche de jeu. Enfin, une nouvelle manche entre guillemets, je le répète. Mais c'est tout de même une nouvelle manche. Par contre, on a quand même perdu. On a perdu le truc des trésors là où il faut les ramener, l'idole dans le. Dans le machin, j'ai perdu complètement le nom. Bon, dans l'ensemble, j'ai envie de dire que c'est pas plus mal parce que c'était un peu casse-couille. Mais je pense que c'était un peu galère surtout. Là, faut, avec des ennemis mobiles qui peuvent vraiment se téléporter un peu n'importe où. Je pense que ça m'aurait foutu certainement les boules de me dire que je suis face à. Enfin, que j'ai un enfoiré de gros mec comme ça là. Ah, fais-moi le malin! Oh non! Bon. Néanmoins, qu'est-ce qu'il en est de cette année dans la globalité? J'ai un peu pas tout, on va retrouver toutes les maps d'arène en coopération pour trouver. Par contre, on va pas retrouver de nouvelles, faut pas déconner non plus. Merci, on va retrouver de nouvelles médailles, donc vous voyez, donc, il y a dans l'ombre, survivaliste de l'ombre. Il me semble que c'est ça en. Si mes souvenirs sont bons, hein. Kill les ai. Kill him. Merci, ça me débarre. Bon, on peut les attaquer encore que ceux-là. Et quand ils nous ont pécho, en fait. Il m'a pécho. Je sais pas ce qu'il fout là. Pourquoi moi? Non mais tu te fous de ma gueule ou pas mec? Bouge ton cul de là, je veux pas te voir. Ah. Bon alors désolé, c'est un peu répétitif, mais je vous promets que ça va passer. Voilà. Je vous promets quelque chose, faites-moi confiance. Alors, le nouvel objectif est survie, ok. Comme je disais, il nous promettait une difficulté très très axée sur le hardcore. Ou hier. La moindre chose qu'on peut leur dire, ouais, c'est qu'en difficile, bon, on va y avoir un certain niveau de difficulté. Si on le. Enfin, en fait, il faut vraiment jouer en équipe. Si on joue pas en équipe, c'est un peu vraiment mal barré. Merde. Ah, le décalage. Putain, la foire. Oh merde. Il y a un mec avec un sniper. Toi, si je te chope, ma parole, tu vas regretter. Ouais bah finalement il redescend. Voilà. Je sais pas. Ah, leurs grenades sont assez meurtrières, hein, faut bien l'avouer. Moi. Ouais c'est bien, il va vers moi là. Ah, c'est parce que le mec il lance grenade, il a pas envie de le perdre. Allez. Oh merde. Ah bah je crois qu'il est mort hein.
voudrais pas être de mauvaise foi, mais il est mort. Hein. Oula, ça craint ça. What the? Allez, pour moi le trésor dans ma gueule. Mais celui qui m'a piqué mon kiffé tout à l'heure, je me suis pas fait gamer. Je suis content. Par contre, on sait pas où est-ce qu'il réapparaît. C'est ça le petit problème. Bon. J'ai des arguments pas très convaincants aujourd'hui. Je suis pas spécialement motivé pour faire une vidéo. Ah, j'avais raison de l'absence. Alors, en ce moment, les vidéos sont un peu difficiles à réaliser. Alors, là, vous essayez d'avoir deux nouveaux types de vidéos arrivés bientôt. Ah ouais, j'ai peut-être une idée. Oh merde. Bon. Trop tard. Excusez-moi. Bon. Donc, j'ai pas tellement le temps de les faire. J'ai beaucoup de taf. Énormément de taf, même. Et c'est un peu beaucoup difficile de gérer les jeux. J'ai quasiment pas énormément de temps pour jouer carrément. Bon, bah c'était du kit tout double. Hein. J'ai quasiment pas énormément de temps pour jouer. Bon, ils vont pas venir me sauver, ça m'étonnerait. Ah si, oh les gentils. J'ai vraiment pas énormément de temps pour jouer, donc c'est un peu difficile pour faire la vidéo encore plus. Ouais, comme je vous ai dit, je vous prévois un nouveau type de vidéo qui remplaceront pas les musiques gaming, parce que je suis pas encore sur le point de remplacer les musiques gaming, j'ai encore un petit quota de vidéos à terminer, mais qui vont ça va être des vidéos longues, ça, franchement ça va pas être des vidéos magnifique, hein. Ça va exploiter les. Ça va être des vidéos très lourdes pour moi, très lourdes. Je vais pas parler dedans. Ce que je veux dire par très lourde, c'est au niveau de la capacité de la vidéo. Ça va être très très long à monter et surtout très très long à uploader. C'est pour ça que bah pour le moment c'est un peu. Je l'ai pas encore enregistré là parce que je ne peux pas faire ce que j'ai à faire. Pour les raisons de mon absence c'est ça. Après il y a. Oh putain mais je suis pas sérieux. Ah je l'ai terminé en difficile, peut-être pas cette map, mais je l'ai quand même terminé en difficile. Qu'est-ce qu'il faut? Ouais, ça fait... je t'ai aidé 15 fois là. T'as pas de ma gueule là. Voilà pour tout. Les musiques gaming, donc j'en ai brièvement parlé. Je vais en parler rapidement encore de ça. Pour l'instant, c'est un caca sur le point de se faire renouveler. Oh merde, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je les ai. Je vais certainement pas les renouveler pour le moment. Pour être sincère, il n'y a pas. Je dirais qu'il y a une chance sur 10 que je les renouvelle. Ouais, à peu près. Enfin, je le répéterai jamais assez. Enfin, c'est des vidéos très longues à enregistrer pour moi. J'ai bien remarqué que ça plaisait pas à pas mal de gens. Je peux comprendre, c'est un type de vidéo tout à fait particulier. J'essayais de faire quelque chose de nouveau en fait, en quelque sorte. La catastrophe, voilà. C'est pas une catastrophe. Ça reste quand même un quota très 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 bas. Et un quota pas suffisant pour moi. Ok. Ah,
Ah mais lui je peux le tuer. Hop là. Merde, merde. L'objectif suivant sera l'homme des méchants est marqué. Ah si si. Ah c'est un nouveau. Eh mon pote là. Bon, on a combien de temps? 15 minutes, ouais. Je pense pas terminer cette partie en maximum. Je vous ai un peu montré tout ce qu'il y avait dans ce nouveau mode. Enfin, tout ce qu'il y avait. Tout ce qu'il y avait en termes de mode de jeu, de nouvelles de gameplay, même s'il n'y en a pas. Enfin, ça, ah oui, j'ai oublié de dire le prix. Donc c'est pour c'est 8 euros mes amis. Non c'est pas 8 euros, c'est il me semble que c'est 6 euros. Donc 6 euros c'est pas mal. Enfin on va ah ouais j'ai oublié de préciser ça. Oh merde ça c'est pas. On gagne énormément d'XP, énormément d'argent. Enfin vous voyez que là on bon là c'est normal quand je suis le premier de la poule étant donné que les autres sont arrivés en retard. Enfin 16 000 et tout ça. Ouais, je vous dis, en théorie, à chaque partie, on se termine avec en moyenne 30-40 000 de thunes. Donc c'est quand même, c'est énorme. 30-40 000, faut voir la, faut pas être de mauvaise foi. C'est vraiment beaucoup. Après, c'est un mode qui est quand même assez relevé. Je disais que c'était pas compliqué. C'est juste qu'en fait, il nous avait. Enfin, il s'était précisé comme quoi ça allait être très 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 compliqué. Ça n'est pas très très compliqué. C'est compliqué. Faut surtout bien jouer en équipe. Faut pas faire le tour. Là, clairement, c'est foutu. Je sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois que j'ai réaligné mes partenaires. Et voilà, le nombre de fois qu'ils m'ont réanimé aussi, ben, c'est quand même assez énorme. Allez, tu vas y arriver. Et c'est souvent ça. Je me souviens de deuxième partie en difficile, on s'est arrivé, mais c'est hallucinant. C'était en difficile, mais c'était quand même énorme. C'était rare, j'ai rarement été réanimé autant de fois. C'était réanimé toutes les 10 secondes parce qu'en fait, c'était sur la map Syrie. Sur la map Syrie, on se fait assiéger de tous les côtés. Les ennemis arrivent en cercle en fait. C'est dans un. Et c'était un mode de jeu, enfin c'était une manche de. Allez, tu vas y arriver. De siège. Donc, forcément on devait rester dans le périmètre. Et dans le périmètre c'était un peu. C'est un peu hot hein. Bon allez, on va arrêter sur ce. Je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée. Voilà pour tout. J'espère que cette vidéo, malgré le manque de paramètres, le manque d'arguments. De vrais arguments, c'est un peu difficile de parler là-dessus. Donc, pour moi, ça sera tout. Je me rappelle, je vous ai tous passé une très très bonne soirée. Et oh l'autre, vas-y, va te faire enfailler. Tu vas y arriver. Ta gueule toi. Bim. Tu l'as compris celle-là. Ah mon ami. Allez un dernier petit kill. Allez lui.
Oui, winner, rapide winner. Et bim, donc sur ce, sur cette victoire. Si je le tue lui, c'est magnifique. Oui. Bon allez, sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne soirée encore une fois. C'était Speedrabbit Gamer, allez sur Dream Actu et salut à tous. Hey.